Il se présente sous la bannière d'un novice qui souhaite bousculer la tendance. El Hadj Issa Sall, 63 ans, est un homme politique sénégalais, candidat à l'élection présidentielle de son pays. S'il est très connu dans le monde universitaire de par ses œuvres, ce n'est qu'en 2017 qu'il entrera en politique en tant que député à l'Assemblée nationale. Candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur, Issa Sall place l'homme au cœur de son programme de société. Chers compatriotes, pour ce qui est de mon programme, le pur sang, il est essentiellement axé sur l'homme. La ressource humaine, l'homme, doit être capacitée par une solide formation religieuse, académique et civique pour devenir un bon citoyen. C'est ce citoyen compétent, imbu de morale, de valeur et d'éthique que nous allons placer au milieu comme acteur de développement. Fin stratège et méthodique dans la présentation de son programme, le candidat Issa Sall hisse la formation au rang de levier de développement du Sénégal. Pour lui, la mise en valeur de ce programme devrait permettre de réduire les inégalités de chance dans le pays. Au niveau du développement humain et de la réduction des inégalités, les langues nationales occuperont une place de choix dans les écoles. L'anglais et l'informatique seront étudiés de la maternelle au supérieur. Le baccalauréat général sera réformé avec la disparition des séries. Parmi les 6 axes développés dans son programme, le candidat du PUR fait également mention de bonne gouvernance politique, économique et sécuritaire. Et de faire le plein emploi.